Clark un lundi après-midi. Je suis parti sous les bois. J'ai entendu quelque chose de merveilleux. C'est ça. Score, ça veut dire partition en anglais. Un film score, c'est une musique de film. Donc là, ce qu'on fait, c'est une musique de film, mais qui est très objective. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de décrire l'action qui est en train de se passer. Elle n'est pas figurative. Elle n'est pas en train de décrire ce qui est dans la tête des personnages ou ce qui est hors champ. Elle se sert des éléments même de la vidéo, des éléments sonores de la vidéo, donc elle est hyper objective. Donc elle est ultra, donc c'est un ultra score. J'avais envie de parler de la musique brésilienne, enfin du Brésil. Donc je suis parti au Brésil faire des repérages. Et là-bas, j'ai vu plein de gens, j'ai vu plein d'endroits. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les senteurs, la musique qu'on entend dans les bagnoles qui passent, les gens, la tête des gens, tout m'a fait penser aux Antilles. Et en gros, ce que tu as sous le nez, tu le vois, il faut aller autre part pour le voir. Et donc là, je me suis dit, mais il faut que je fasse les Antilles, je viens de là-bas, je connais très bien la culture, je parle créole, donc j'ai eu envie, voilà comment c'est né, mais j'avais envie de montrer à mes potes occidentaux qu'il n'y avait pas que le zouk. Je commence par écrire un peu de musique, ensuite je lis, je vois des docs, je me renseigne, je passe des coups de fil, je prends quelques rendez-vous, je les espace d'un ou deux jours à chaque fois sur deux semaines de tournage, pour pouvoir me laisser la place à l'improvisation des rencontres. Et je sais en partant que ce ne sera pas ce que j'ai prévu. D'ailleurs, dans le film, il y a... enfin, il y a des surprises. Toi, la première fois qu'il l'a vu... C'est sur une scène, c'est vers la fin du film. C'est vers les seins. Le carnaval, le gorille, masque gorille. Et en fait, j'aperçois en le jouant pour la première fois, Bixen, qu'en arrière-plan, il y a la baraque de mon grand-père, en fait, dans le plan. Dans le champ. Donc ouais, je suis particulièrement touché et investi aussi sur ce projet-là, surtout Bixen, puisque ça vient aussi de chez moi. On est tous les deux Martiniquais, donc c'est aussi une manière de bien représenter d'où on vient à travers tout le monde, quoi, le monde entier.